Bon, les amis, bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un cinquième épisode du Randomizer sur Zelda Majora's Mask. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire en premier ? Ben, j'avoue que c'est une très bonne question. Alors déjà, je vais ralentir le temps. Pour commencer. Faudrait qu'on trouve la magie. Je sais pas où elle peut être, la magie. C'est dingue. C'est clairement dingue. Honnêtement, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait ou pas. Il y avait quoi là-haut? Ouais. Ok. Il va y avoir un quart de cœur, je pense. Bah là honnêtement Attends, on a le champ des Pona. C'est quoi, on n'est pas le au moins le home du capitaine ou la magie? Ouais. Alors, de toute façon, je pense ce que je vais faire. De rubis, sait-on jamais. Putain, un rubis rouge dans les herbes, c'est rare ça. C'est très rare. C'est où que je peux avoir les haricots magiques? Le maître d'armes, la peste marchande au marais. Bah alors attendez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chercher haricots magiques. Les haricots magiques, je vais aller en chercher deux, puis on va faire des trucs. On va essayer. On va déjà aller au maître d'armes. C'était chaud, j'ai cru que je l'avais raté. Ok. Ok. Ok, on va aller au marais maintenant. Voyez. Oui.
connasse. Tiens, à la limite. Voilà. Non, c'est l'autre que je vais mettre, voilà. Ok, très bien. Maintenant. Tant qu'on est ici. Merde, putain, je vais y arriver ou quoi? Tant qu'on est ici. Hop. On va retourner au palais Mojo. Merde. Putain, bah dis donc, j'ai cru que t'allais jamais monter. Ok. Y'a rien de caché là-dedans. Non, y'a rien de caché. Ok. Du coup, on va aller voir le petit singe. Hop, 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 hop. Ça me fait triper ces pièces marchandes qui font les gardes là sur leur que dalle là dedans. Non. Putain. Fais chier. Thank you.
Putain, c'est un peu le beans tout de même pour passer là. Ça va te faire foutre. Au moins tu me feras pas chier longtemps comme ça. Ça passe en une fois, mais c'était surtout pour le petit cœur de vie. Ok. Ah, Swarring, ok. Alors, bah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. On va aller à la grande baie. Alors attends. Ok. C'est pas mal, c'est même très très bien. Plus rapide. Soaring. On a vu la sonate. Ok. Non? Mais je suis vraiment con, moi. Voilà. Alors, est-ce qu'on ferait pas la forteresse Gerudo, vous savez? On avait commencé, mais on n'avait pas fini. Tant qu'on est dans le secteur, ouais, c'est ce qu'on va faire après, tiens. Ah putain, faut le chant de l'épouvantail. Ah merde, faut le chant de l'épouvantail. Putain, comment on obtient un chant de l'épouvantail ici? Attends. Je sais plus comment on obtient le chant de l'épouvantail. Alors, est-ce que le champ de l'épouvantail... non, pas du tout. Où c'est que je vais, moi? Est-ce qu'on le tient à la boutique ou à l'observatoire? Je sais plus.
Normalement, ça doit être ça. Ouais, là, il nous raconte qu'on peut manipuler le temps, mais il me semble que c'est ça. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Merde. J'ai fait le chant du soleil, après je me suis trompé, je l'ai fait en inversé. Oh, que j'ai pas l'habitude de Majora's Mask. Je pense que ça s'est remarqué depuis le temps. Je vais faire aussi autre chose tant que je suis ici. Vu que j'ai le chant de l'apaisement. Ah mais je l'ai fait. Ah je l'avais fait ça non? Ça je l'avais fait. Ouais ouais je l'avais fait. Le masque Mojo, le masque Zoran l'avait fait. On l'avait check. Par contre putain j'ai pas le masque de pierre. Ah non, 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 j'ai pas le masque de pierre, mais je sais pas s'ils ont respawn ou pas. Je vais aller voir ça après. De toute façon. Merde. Je crois que c'était un quart de cœur, non? Il me semble. Ouais, putain, c'est un quart de cœur. Bon, bah tant que je suis ici, je vais le prendre, hein, et puis c'est tout. Hein. Bon, ouais. Non. Aller trop vite. Oh là là, je fais n'importe nawak. Tranquille. Voilà. Est-ce qu'ils y sont toujours les œufs ou est-ce que le fait d'être revenu en arrière... Non. Évidemment, faudra qu'on y refasse. Mais il me faudra le masque de pierre, de toute façon, j'ai pas le choix. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La course avec les castors.
Putain, je suis en train de réfléchir à où je pourrais aller aussi, mais là, ça commence à devenir... Il y avait quoi là-dedans? Ça commence à devenir compliqué, là. Ah oui, c'est vrai. Donc, je sais pas s'il faut le faire deux fois ou une fois. Je sais pas du tout. Parler. Voilà. Ok. Enfin la course. C'est surtout passer dans les anneaux là en un certain temps. Ok, nice. Faut la refaire une deuxième fois. Oh putain, l'arme de lune, c'est les castors. Ok, je l'ai noté si jamais... Est-ce que je le refais une deuxième... Je vais le refaire une deuxième fois. Non, en fait, ça va, ça l'a simplifié. J'ai pas besoin de la faire deux fois par récompense. Parce qu'en tout, faut la faire quatre fois. Et là, je la fais que deux fois pour les deux récompenses. Ok. Donc ça va, c'est... C'est assez simple, ça. C'est pas le plus compliqué. Bah, tant que je suis ici et puis qu'on n'a qu'une fois l'affaire, je vais... Voilà. Je vais la refaire. J'aurais limite préféré qu'il me file un masque. Le masque de pierre, ça aurait été nickel. Ou la magie. Mais bon. Rip. Hop là.
putain, la lettre. Ah putain, la lettre. Lettre de mama. De course avec les castors. J'y marque. Ok. Très bien. Bah, ce que je vais faire. Je vais retourner à Bourg-Clocher. Toi, je sais que tu prends la larme de lune. Map de Stone Tower. T'es sérieux là? Ah oui. Ok, très bien. Du coup, la lettre de mama. Le mieux, c'est quoi? C'est de la poster. Je crois que c'est de la donner, non? C'est de la donner au. Ok. De toute façon, je pourrais revenir en arrière après dans le temps pour revenir au premier jour. Puis ça sauvegardera en même temps. Je suis en train de penser à un truc. Est-ce que... Camaro, je l'avais fait. Oui, je l'avais fait. Parce que je crois qu'il y a deux possibilités. Soit la lettre, je la donne au facteur, c'est lui qui va la poster. Ou soit moi, je l'emmène directement à Mama. C'est quoi le mieux? C'est de l'emmener directement ou c'est de la... Non, parce que... Ouais, je sais pas. Parce que dans la logique, si je la file au facteur, il me file sa casquette. Tandis que là... C'est quoi le mieux? C'est de la poster, enfin de la donner au facteur ou de l'emmener directement? Je sais pas. Attends, pour le coffre, on regardera après. Je vais l'emmener au facteur parce que normalement il me donne un masque, il me donne la casquette du facteur. Je vais l'emmener au facteur. Tiens. Alors, par contre,
Je vais remettre le temps dans son cours normal. Pendant que lui il va donner la lettre, moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller check le coffre en bas là. Alors comment je peux faire? Est-ce que je peux monter là-haut? Voilà, parce que celui-là, je l'ai pas fait. Oh putain, Stone Temple. Putain, ça veut dire qu'il faut faire Stone Temple. Coffre. Bourg clocher. Troisième jour. Ça veut dire qu'il faut faire Stone Temple la nuit du troisième jour? C'est une blague. Ok. Mais il est où le facteur? Bah alors ça c'est dingue. Bah non il est pas là. Et il est passé où ce con là? C'est une blague? Ah, il est là. Putain. Putain de rubis de merde. C'est pas ça que je veux faire. Je vais quand même aller vérifier. Oh. Bon, ok. Ce que je vais faire, attends, bouge pas. Je vais mettre mes rubis à la banque. Ah non, je peux plus en mettre. J'ai le maxi. Ok. Ah putain, ça ouvre à 10h, ben on va attendre. Parce que là, normalement, on récupère le masque de la nuit blanche. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer à la place?
Après, ce que je vais faire, c'est qu'on va revenir au premier jour, on va aller refaire la course contre les castors, et puis on va emmener la lettre nous-mêmes à Mama, tout simplement. C'est juste un sac de bombes, ok. C'est juste un sac de bombes. Donc là, Osef. Ah ouais, Osef. Chaque fois que je me plante. Je vais refaire parce que comme ça, ouais, ça me... Merde, ça me permettra de l'emmener directement là. La lettre. Au moins qu'on fasse ça, comme ce sera fait. Allez, c'est reparti pour refaire deux fois la course. Heureusement que c'est deux fois et pas quatre, hein. T'imagines? Merde.
Ok. Et donne-moi ta larme de lune là. Et me revoilà, Iba. C'est parti, mon kiki. Ok. Nice. Du coup, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Sur du soleil, à chaque fois je me fais avoir. Est-ce que j'ai pas fait le tir à l'arc là-bas? J'ai pas voulu tirer l'arc tout court parce que l'autre j'ai pas réussi les 50 points. Bon, c'est quoi? Merde. Putain, chaque fois je me plante. Non, je veux pas déposer, je veux retirer. Oh merde. C'est deux fois que. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver le tir à l'arc. Je vais essayer, hein, tout de même, de toute façon. Faudrait bien qu'on le fasse, hein, ça dépend ce qui a gagné, quoi.
Parce que là, comme je sais pas trop où aller, de toute façon. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Putain, chaque fois. Je vais ralentir le temps juste histoire de faire le jeu. Parce que si jamais je dois le faire à plusieurs reprises, ça m'évitera de... Hé hé! Allez vite! Oh yes! Je m'épate moi-même. Oh putain! Ah bah j'ai bien fait d'insister. Du coup. On va aller faire l'autre. Bon, c'est pas le masque que j'aurais espéré. J'aurais espéré un autre masque, mais bon. Je sais plus si j'avais fait le mini-jeu là des amoureux là aussi. Merde, mais à chaque fois je me plante. Je sais plus si j'avais fait le masque des amoureux. Enfin, le masque des amoureux, pas le masque des amoureux, le jeu, le mini-jeu des amoureux. Hé hé! Putain, j'ai failli me rater. Merde. Ah merde! Putain! Ah
Hey. Faut que je fasse un perfect, hein, de toute façon. Pas le choix. Non! Putain! Oh putain, c'est pas vrai, c'est une blague. Non! Putain, c'est le dernier! Mais je vais devenir fou! Oh putain, la blague! Ah non, mais c'est une blague! Le truc, c'est... Le dernier, je le rate jamais, tu sais. Faut que je commence par un angle. Faut pas que je commence au milieu. Yes! Ouh! Ah bah dis donc! Oh putain! Tout ça pour ça! Oh vite! C'est pas vrai! Du coup. Putain, les bombes choux, j'aime pas ça. C'est le plus dur. Ah putain. Putain, mais c'est une blague.
Non. Ah putain, puis ça va changer de jour. Merde, allez, putain, mets-toi droit. Putain, mais c'est une blague. Oh, fuck. Il me laisse finir ou quoi là? Putain, ça va trop vite là, je peux plus là. Ah non, je peux le refaire? Ah d'accord, bah vas-y. Hein. Ah, je pensais qu'avec la nuit j'aurais pas pu. Bah vas-y, moi je continue. Merde. Oh putain, bah dis donc. Ok. En fait, je sais plus si je l'ai fait. Je l'ai peut-être fait ce jeu, mais je sais plus. C'est ça le truc. Je sais plus si je l'ai fait. Ça se trouve, je l'ai déjà fait. Hein. Je le refais pour rien. C'est peut-être possible. Mais par doute, voilà, par doute, vu qu'on en fait un épisode, de toute façon, par doute, je vais y finir. Parce que... Merde. Ah bah c'est autre chose des missiles. C'est clair que ça n'a rien à voir. Ok. Thank you.
Ok. Et là, c'est l'arc. Fasse gaffe à ça là. Starnac. Merde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me donne ? De la merde ? D'accord, ok. De la merde. Ah, je suis con moi. Voilà, faut lui parler avec le masque de café. Oh, oh yes. Oh yes. Oh. Ah, j'ai eu un orgasme. Ah, ça fait plaisir. Oh putain, on finit l'épisode bien, les amis. On va pouvoir avancer un petit peu. Oh là là, génial. Oh là là, génial, génial. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis on continuera ça prochainement. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas comme d'hab, hein, les petits likes, les commentaires, les abonnements. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!